pendant qu'un sorcier garde le petit pot. Est-ce que votre idée de l'art à l'envie? Pourquoi personne que subit? Que se passe-t-il? Ah! Êtes-vous là pour l'annonce? Êtes-vous sorceleur, maître? Les bruits au cimetière, c'est vous que ça dérange? Oui, tout à fait, oui. Et on dirait que je suis bien le seul. Enfin, personne d'autre n'a pris d'initiative, même s'ils doivent tous entendre ce raffut. J'en ai touché deux mots à la garde ducale. Ils m'ont dit n'avoir rien trouvé, mais je doute qu'ils aient seulement enquêté. Que dois-je faire maintenant? Fureter moi-même dans le cimetière? Ces bruits surviennent-ils régulièrement? Chaque nuit. J'habite tout près et je les entends distinctement. Comme si on m'avait collé un corps à l'oreille. Argh! Grrr! Ouh! Ya! Et puis, flanc! Bam! Comme si une ours fonçait tête baissée dans un placard. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Combien ça me rapporterait, cette affaire? Combien désirez-vous? C'est d'accord. Bien. Je m'en occupe. Des victimes ou des disparitions récentes à signaler? Ou bien il n'y a que des bruits? Personne n'a été blessé par chance. Croyez-vous qu'il puisse s'agir d'un monstre? Possible, mais rien n'est sûr. Ça pourrait tout aussi bien être des pilleurs de tombes, des mendiants. Ça reste à voir. Je ne saurais dire ce qui serait le pire. Dans tous les cas, bonne chance, maître. Je préfère boire à l'envi que subir une lobotomie. Fichez-moi la paix. Ah! Un groupe de bandits entre les arbres passe. Les couilles. Ça m'étonnerait que son homme désoulage. Je n'entends rien, mais je devrais quand même fouiller un peu. Des traces. De l'herbe piétinée. Et une culotte? Il ne devait pas parler de ce genre de gémissement.
pas le choix. Les bruits viennent peut-être des pilleurs de tombes, mais rien n'est sûr. On pourrait être confirmé après le crépuscule. Ça se bat encore. Les bruits semblent provenir des catacombes. Bon, les bruits proviennent de là. Pas une âme qui vive. Étrange. Et ça ne ressemble pas à l'antre d'une guenote sépulcrale. De l'or. Ce ne sont sûrement pas des pilleurs de tombes. Ils n'auraient jamais laissé ça. Louis de Corentin. Mort le jour du souvenir de Saint Zoatam. Elles sont fraîches. Les bruits ont commencé à ce moment-là. Les funérailles sont récentes. J. Margot de Corentin. Cassé. Comme si on l'avait jeté contre le mur. Aucune trace de monstre ou de pilleur de tombe. Un peu de raffus, c'est tout. Ce n'est peut-être pas ici, après tout. Étrange. Tu préférerais traîner toute la journée à jouer aux cartes comme... comme un nain. Tu me dégoûtes. Eh bien, c'est toujours mieux que de rester planté au temple de l'Ebioda à marmonner des prières du matin au soir. Ingrat. Je priais pour toi. Pour te débarrasser de cette addiction au jeu. Très efficace. Apparemment, les dieux en ont également soupé de tes jérémiades. Et vous, que faites-vous là? C'est une conversation privée. Pourquoi vous vous disputez au juste? Du balai, ça ne vous regarde point. Je pourrais vous venir en aide. J'ignore votre nom, mais il faut m'aider. Je refuse de passer l'éternité près de ce païen. Sortez-le de ma crypte sur le champ! Doucement. Quel est le problème? C'est ma crypte, et cette bigote me sermonne même dans la mort. Une éternité avec cette mégère. Quel enfer! J'ai été bien aveugle, et bien stupide de l'avoir épousée. Il a le démon des cartes. Il miserait son propre minot à une partie de Gwynt.
Ça n'est arrivé qu'une fois, pour badiner. Combien de fois faudra-t-il te l'expliquer? Et qui nous a ruinés pour une stupide statue de Lebioda? J'ai seulement agi par piété. Immortalisé, le prophète aurait transformé cette région de blasphémateur et de parieur. Je ne pouvais point me douter que c'était une escrocade. Et ne t'avais-je point averti? Au moins 1000 fois? Silence! Fermez-la, tous les deux. Légalement, à qui appartient cette crypte? Quelle question! À moi? À ma famille? Les Corentins? Êtes-vous illettrés? C'est vrai. Mais c'est ma dot qui a servi à la racheter à tes créanciers. Écoutez, pour que la paix revienne ici, l'un de vous doit partir. Je dois sortir l'un de vous d'ici. Très bien. Prenez-le alors. Lui. Et si vous faites ça, je vous dirai où j'ai caché ces cartes de Gwynt Porte-Bonheur. Quoi? Je savais que c'était toi. Et tu voudrais me chasser de ma crypte en payant avec mes cartes? Crénom, si j'avais eu ces cartes au tournoi de Belhaven, je serais toujours en vie. C'est ta faute si je me suis fait embrocher, espèce de vieille bique. Oh, tu as été assassiné à cause de tes dettes. Je n'y suis strictement pour rien. Venez donc, ne laissons point cette mégère nous danser avec le livre du bon. Je sais où elle a caché ses cartes. Je vous le dirai moi-même, dès que vous l'aurez emmenée. Je vais y réfléchir. Bon, je dois en faire sortir un des deux. Ainsi parla le prophète Lebioda. Vous ne vous adonnez pas au jeu d'argent. Après quoi, il ajouta, car il ne vous en restera plus pour moi. Je vois que cette bigote vous a embobiné. Fichtre. Bon, s'il doit en être ainsi, j'ai une demande. Ayez la gentillesse de me déposer dans la chambre de l'amicale du Gwynt de Beauclair. C'est à deux pas d'ici. Vous êtes membre? Justement, non. Mais j'aurais adoré en faire partie. Et cela ne devrait déranger personne que je les rejoigne dans la mort. Sûrement pas moi, en tout cas. D'accord. Où est cette chambre? Une fois dans les catacombes, allez tout droit. La chambre sera sur votre droite, près de l'entrée du couloir. Merci à vous. Plus loin dans les catacombes. Bien. Allons-y. Ça doit être la chambre dont parlait Louis. Mieux vaut mourir d'ivresse que d'ennui. Cherchez aussi le club de Gwynt. Par les enfers, qui êtes-vous? Qui vous envoie? Tant de questions et si peu de réponses. Morbleu, c'est un foutu philosophe. Chopez ce filou de malheur, les gars! Si on m'avait donné une couronne chaque fois qu'une bande pareille... Oh!
Il est temps que Margot paye. C'est fait. Alors, où sont les cartes? Quittez la ville par la porte du tonnelier. Puis, prenez à droite. Notre maison est aisée à reconnaître. Un arbre orne le panneau au-dessus de la porte. J'ai enterré le coffre dans le jardin, sous le rosier. Un panneau avec un arbre, le rosier, c'est noté. Et puis-je savoir ce que vous avez fait de Louis? C'est vrai, le Gwynt était toute sa vie, mais je ne souhaite point qu'il passe l'éternité dans une fosse d'aisance. Ne vous en faites pas. Je lui ai trouvé un endroit où il se sentira bien. Au revoir. Dispersez-vous. L'exposition du monument de Réginald de Daubry est fermée jusqu'à nouvel ordre. Je suis punaise. Je n'ai point pu fermer l'œil. Gérald de Rive, pourfendeur de la bête. Je vous suis redevable. Je dois faire le tour. Un arbre sur le panneau. Ça doit être cette maison. Mon médaillon vibre. Il y a un problème. Exactement comme elle a dit. Et voilà les cartes de Gwynt, comme promis. Arrgh!
Le travail avant tout, sorceleur. Hein? Je tire le diable par la queue. Impossible d'épargner pour mes vieux jours. Mmh. Baiser et boire du vin. Ah, la vie à Toussaint, ça se résume à ça. La duchesse, ce doux soleil radieux. C'est bon, j'ai terminé. Le cimetière devrait avoir retrouvé sa quiétude. Ah, je vais pouvoir retrouver mon lit. Le petit malin est devenu trop bruyant. Les clients crient comme des possédés. Un de ces fous, en particulier, crie sans cesse « Audrine, Audrine !» Mais dites-moi, qui avait-il au cimetière ? Des bêtes, comme vous le pensiez ? Non, ce n'était qu'une dispute conjugale. C'est tout ? Mais ils hurlaient comme des chats qu'on écorche. Désolé de vous avoir dérangé pour si peu. Tenez, pour le dérangement. Merci. Longue vie à tous, hein ?